pour certains produits. Onorevole Tarabella. Monsieur Tarabella. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, de fait, l'industrie sidérurgique aurait mérité un débat, elle toute seule, vu l'actualité. Car depuis 2008, 30% de la production européenne, la production européenne a diminué de 30%. On assiste donc à une délocalisation de la production. Et vous avez parlé de réindustrialisation moderne et verte, et c'est vrai que la sidérurgie en Europe a fait ses efforts. Mais les industriels de jadis, avec des visions à long terme, ont fait place à des financiers qui ont un appétit démesuré à court terme. C'est là tout le problème. Et pour prendre l'exemple de l'HLimital à Liège, mais aussi dans d'autres pays, en France, en Roumanie, c'est une suite de promesses non tenues qui font qu'aujourd'hui, il faut peut-être lui faire comprendre qu'en Europe, il n'y a pas de caste, il n'y a pas d'intouchables, il y a des citoyens égaux en droit qui ne méritent pas d'être traités avec ironie, dédain, indifférence ou total irrespect. Et donc, par rapport à cela, Monsieur le Commissaire, on assiste à une délocalisation, je l'ai dit, extra-européenne. Nous comptons sur vous, évidemment, et aussi peut-être avec le concours du commissaire au commerce extérieur, pour travailler sur des règles modificatrices, sur des baisses tarifaires, par exemple, mais aussi sur les aides publiques, qu'il faut peut-être revoir, mais aussi sur la continuité de l'activité, car il ne peut garder un outil pour ne pas l'utiliser et empêcher d'autres de le reprendre. Merci. Yann Akoudakis. Thank you. I'd like to comment on the European sugar refinery industry. Je voudrais parler de l'industrie de la raffinerie de du sucre et qui avait